Hello la famille Roche Abroad, bon après-midi, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez à cette heure. Dans cette vidéo, nous allons parler de la Roumanie, mais précisément de la demande de visa, long séjour, que ce soit travail, études ou même court séjour, pour ceux qui veulent le faire, le tourisme, le business en Lituanie, comment appliquer, quels sont les documents à fournir, et rassurez-vous, vous allez vous rendre compte que la Roumanie est un tout petit peu spéciale. Alors, si la Roumanie vous intéresse comme projet d'immigration, alors cette vidéo est pour vous, et je vous dis à toutes après le jingle. Avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la demande de visa de la Roumanie, comment appliquer et bien d'autres, je tiens à préciser quelques informations vis-à-vis de ce pays. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de certains via la dernière vidéo YouTube ou même ceux qui ont suivi le live récemment. En parlant du live, sachez qu'il y aura un prochain live ce dimanche, voilà, ce dimanche à la même heure, 15h heure de France. Donc, voilà, rassurez-vous, chaque dimanche, il y aura un live à Roche Abroad, 15h de France. Mais bon, comme j'ai dit, après le live de dimanche dernier, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages concernant y a-t-il un âge limite pour faire une année préparatoire en Roumanie ou de façon générale étudier en Roumanie. Alors, je vous dis non. Il n'y a pas d'âge pour étudier en Roumanie. Que ce soit un master, vous pouvez le faire à 32 ans, 35 ans et même à 40 ans. J'ai encore un exemple récemment. Donc, il n'y a pas d'âge. Ne vous inquiétez pas. Même pour l'année préparatoire, c'est pour ça que je dis que ce pays a cette particularité, c'est que réellement, il n'y a pas d'âge pour étudier en Roumanie. La deuxième des choses que je tenais à vous souligner, c'est que, oui, la Roumanie, depuis le 31 mars 2024, est entrée dans l'espace Schengen. Et c'est déjà effectif. C'est pour dire que si vous obtenez au jour d'aujourd'hui un visa, ou que si vous avez une carte de résidence temporaire étudiante ou travail de la Roumanie, vous pouvez circuler librement dans tout l'espace Schengen. Ils étaient deux pays à avoir joint l'espace Schengen, la Bulgarie et la Roumanie. Donc ça, c'est ce que je voulais tenir à vous rappeler, c'est déjà effectif. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Comment appliquer pour la demande de visa roumaine? Alors, sachez une chose, c'est que si vous avez une admission dans une université de la Roumanie, sachez que votre admission doit être validée, je dis bien, elle doit être validée par le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Validée via le ministère de l'Enseignement supérieur roumain. Je vous explique en gros comment ça se passe, parce que c'est très important cette partie. Vous avez postulé dans une université, qu'importe la filière, année préparatoire, licence, master, qu'importe la filière, vous avez postulé dans une université roumaine. L'université roumaine, au bout de 15 jours, par là, vous dit oui, on a revu vos documents, nous voulons vous accepter et nous allons vous procurer ce qu'on appelle le acceptance letter of acceptance, acceptance letter. Alors sachez que cette acceptance letter ne sera disponible que après minimum pour les universités les plus rapides, minimum un mois et demi, 45 jours ouvrables, maximum 60 jours ouvrables. Cette lettre d'acceptation. Pourquoi ce temps? Parce que l'université va transmettre votre dossier au ministère de l'Enseignement supérieur roumain et le ministère des Affaires étrangères pour avoir la validation. Et c'est eux qui vont envoyer le document d'acceptance l'État qui vous sera transmis. J'espère que vous comprenez, c'est très important. Donc, comptez deux mois maximum, minimum un mois et demi pour avoir votre acceptance l'État de votre université roumaine. C'est très important. C'est très important que vous compreniez cette étape de la procédure. Et c'est pareil, si vous avez obtenu un contrat de travail, votre contrat de travail doit aussi être validé par le ministère des Affaires étrangères roumaines. Et cela prend 53 business days à 60 jours ouvrables, donc à peu près deux mois aussi par là. Parfois, je crois, deux mois et demi, même je connais quelqu'un qui a attendu deux mois et demi avant d'avoir ses documents. Parfois, ça peut même aller à trois mois. En fait, je veux que vous compreniez qu'il y a ce temps d'attente que tout document qui doit vous servir, que ce soit les étudiants ou les travailleurs, doit avoir la validation du ministère des Affaires étrangères, du MFAO de la Roumanie. Donc, cette validation, et ça prend du temps. Ça ne se fait ni à un jour, ni à deux jours. Donc, si vous passez par votre université, ayez la patience quand votre université vous dira d'attendre. Si vous passez par un agent, il vous dira la même chose. Si vous passez par votre employeur, il vous dira la même chose. Donc, c'est la petite nuance
que je tiens déjà à, voilà, à vous faire comprendre concernant la Roumanie. Maintenant, comment ça s'applique? Vous avez obtenu votre acceptance l'État, tous vos documents de l'école, vous êtes prêt à demander votre visa étudiant, ou vous avez, ou bien vous avez déjà obtenu tous vos documents de votre employeur, vous êtes prêt à demander votre visa long séjour de la Roumanie. Alors, vous n'avez rien à gérer avec l'ambassade. Je prends l'exemple, comme je prends toujours l'exemple, prenons l'exemple d'un Camerounais qui doit demander son visa de la Roumanie, il doit aller au Nigeria, à Abuja. Lorsqu'il a réuni tous ses documents, il n'a rien à faire avec l'ambassade du Nigeria à l'instant. La première chose, c'est d'appliquer en ligne. Demandez d'abord faire l'enregistrement en ligne dans le site du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Vous allez télécharger dans ce site toutes vos informations, en passant de votre nom, votre statut marital, tous vos documents disponibles. Et vous allez upload, vous allez télécharger dans ce même système tous vos documents en passant par votre lettre d'acceptation, votre logement, la preuve de vos fonds, vraiment tous les documents possibles, tous les documents. Vous devez télécharger aussi une photo de vous, voilà, une photo visa de vous, toujours dans ce système. En fait, tous les documents pour une demande de visa, vous allez d'abord créer votre compte dans le ministère des Affaires étrangères roumaine. Vous allez cliquer « Appliquer long séjour études ». Qui est le DS, visa DS, pour les longs séjours études, c'est DS, ou les longs séjours travail, qui est le DAM, D/AM. Voilà. Donc, vous allez choisir votre catégorie, si c'est pour les courts séjours tourisme, vous allez cliquer tout sera listé, vous cliquez votre catégorie, vous vous inscrivez en ligne avec votre adresse email valide, votre code de sécurité, et vous suivez les étapes mot par mot. Sachez qu'une étape mal faite, ça annule complètement votre demande et vous devez refaire tout à zéro. Tout à zéro. Donc, lorsque vous faites ces étapes en ligne, on va vous demander de télécharger tous vos documents en passant du passeport, la photo, vous allez faire une 2004 photo visa que vous allez télécharger dans ce système de vous, remplir vos données. Si vous êtes étudiant, vous allez télécharger votre acceptance l'État qui a été validée après au moins un mois et demi, deux mois, comme je disais antérieurement, un document qui prouve voilà, où vous allez loger et surtout la preuve de subsistance pour les étudiants. Je vous recommande. Vous pouvez bien évidemment passer par un sponsor, votre père ou votre mère, mais je vous recommande pour augmenter votre chance que l'argent soit dans votre compte. Vous devez tirer vos relevés bancaires des 6 derniers mois, je dis bien en Roumanie des 6 derniers mois, 6 derniers mois, voilà, avec un montant minimum de 3 000 euros qui fait à peu près 2 millions de francs CFA. La Roumanie est un pays dont la valeur, ils n'utilisent pas l'euro, ils ont leur monnaie locale et c'est un pays, on va dire, au pouvoir d'achat assez faible. Donc c'est pour ça que ce montant, il est comme ça. La preuve, c'est qu'il y a des logements là-bas. Je crois que les gens, ils payent 50 euros. 50 euros. Par exemple, j'ai fait une vidéo par rapport à l'université de Timisoara. La chambre étudiante, c'est 50 euros. Donc, c'est pour vous dire déjà à peu près le coût de vie qui n'est pas élevé. Voilà. Donc, l'étudiant doit tirer ses relevés bancaires des 6 derniers mois avec un minimum de 3 000 euros, soit 2 millions de francs CFA. Enfin, vous pouvez avoir plus. Mais c'est encore mieux si c'est à votre nom. Si vous ne pouvez pas, évidemment, vous pouvez passer par votre sponsor, un père ou un mec, mais quelqu'un de proche avec qui vous pouvez prouver un lien de parenté. Puis, vous devez vous rassurer que vous aurez une assurance Schengen valide, un nom qui est une assurance Schengen d'une année de validité, mais qui est valide en Roumanie. Pourquoi je précise cela? Ce n'est pas toutes les assurances Schengen qui sont valides en Roumanie parce que avant la Roumanie n'était pas dans l'espace Schengen. Donc il faudra vous rassurer auprès de votre employeur que cette assurance, est-ce qu'elle est valide en Roumanie? C'est très important cette partie-là. Au pire des cas, si vous êtes étudiant, vous pouvez demander à votre université de vous conseiller une assurance ou à votre agent. Deuxième, votre criminal record, votre casier judiciaire. Ou bien police clearance, ça dépend si vous êtes anglophone ou pas. Vous devez avoir votre police clearance que vous avez légalisé au ministère des Affaires étrangères de votre pays. Ça suffit pour postuler. Voilà. Sachez que l'avantage avec la Roumanie, c'est qu'ils comprennent le français. Du moins, ils acceptent le document en français. Sachez que vous pouvez postuler avec vos relevés bancaires en français. Mais après, je vous conseille toujours d'attacher cela avec une traduction en anglais. Mais sinon, si vos relevés bancaires sont en français ou si votre police clearance est en français, ça ne dérange pas. La Roumanie